Cécile? Je suis avec Fred, chez sa mère. Enfin... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, là? J'ai pas l'habitude de parler. Je veux dire, de parler à une personne comme vous. Je m'appelle Tony. Ma mère a beaucoup pleuré à cause de moi. Elle voulait que je sois instituteur. Elle se rendait pas compte. Qu'est-ce qu'il fout avec sa radio, ce con? C'est dingue. Comment elle fait? Vous allez où? Pardon? À Sedan. Et vous? Moi? À Foix. Vous y allez en voiture? J'ai pas de voiture. Je vais marcher. Vous y allez à pied? C'est loin. Ouais, c'est loin à pied. C'est loin. Bon, ben, je dois y aller. Oui. Bonne route. Merci. Vous aussi. En rentrant, je peux faire les courses si tu veux. Tu veux? On a besoin de quoi? Du pain, de la viande, une salade. Tu viens d'avoir Cécile au téléphone là, complètement hystérique à cause de tes conneries. J'ai rien fait moi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as été inventé? Qu'on se connaissait? Qu'on était à la fac ensemble? C'est ça? Tu aurais préféré que je lui dise que t'as fumé un joint? Ça, ça te regarde pas. Et j'en connais un inconnu qui aurait mieux fait. Ah! Alors mec, t'as oublié que c'était interdit de vendre de la dope? Qu'est-ce que tu racontes, man? Je suis clean, j'ai rien sur moi. Ouais, les sachets de merde que t'as balancé dans les buissons? Prof de ça, pauvre con. On t'a jamais appris la politesse? Ok, c'est bon les mecs, c'est à vous. La première fille que j'ai connue, j'avais 13 piges. Elle était mariée. Elle voulait un puceau. J'ai trouvé ça bien. Alors depuis, j'enchaîne. Des fois, je parle même pas, ou très peu, juste assez pour emballer. Je leur donne ce qu'elles veulent. Mais quand il y en a une qui me colle trop ou qui se met à chialer pour un rien, je la jette, vite, je m'encombre pas. Pourquoi? Je sais pas.